Bonjour, aujourd'hui on vous propose un travail de renforcement des muscles des membres inférieurs. Bien sûr, les membres inférieurs sont très sollicités dans la pratique du ski alpinisme. Il est donc très important de développer leur force sous toutes ses formes et tous les régimes de contraction. La force des membres inférieurs va permettre la propulsion motrice dans la durée de la montée, ainsi que le contrôle des trajectoires et l'engagement dans les descentes. Les muscles les plus sollicités sont les quadriceps. Mais les ischio-jambiers, les mollets ainsi que les muscles fessiers interviennent aussi. Je vais laisser Alexis Sevenec vous démontrer quelques exercices sollicitant les quadriceps. Un petit peu de renforcement musculaire, c'est la partie préférée à Monsieur Galindo. Après ma petite fiche, parce que j'en fais tellement souvent après, je vais pas m'en souvenir. Alors là, on va faire un travail des jambes. Donc on va faire position du chousse. On tient une dizaine de secondes comme ça. On reste bien à 90. J'imagine là en pleine descente, hein, ça peut servir aussi en course à pied. Hein. Après, on décolle une jambe et là on tient pareil, 5 secondes à peu près. Jambe droite, on n'oublie pas la frangine. Jambe gauche, on revient, on remonte, puis on recommence. Pour ceux qui c'est trop facile, vous mettez des mobilos, des trucs instables. Hop, on vient descendre. Hop, pareil. Les coudes vers les genoux. Et on tient une dizaine de secondes. Hop, là pareil. On vient bien chercher l'équilibre. 20 secondes sur la jambe gauche. La jambe droite. On revient. Et on remonte. Alors, deuxième exercice, les squats. Hop, on vient, descend à 90. Quand on se baisse, on vient tendre les bras. On remonte. On vient. Pareil, on vient tenir une dizaine de secondes. Et après, sur une jambe. Voilà. Et on fait attention à pas avoir le genou en avant du pied. Bien garder le genou dans l'alignement au niveau des orteils. Ça, il l'a pas dit, mais on peut faire la même chose là-dessus. Toujours apporter un petit peu de difficulté pour ceux qui sont à l'aise. Là, c'est la même chose. Hein. Pareil sur une jambe. Pareil sur l'autre jambe. Voilà. Et après, le dernier petit exercice. Bondissement latéral. Hop, je viens. Je descends à 90. Faites gaffe, il y a un peu de largeur. Là, moi, je n'ai pas assez. Mais bon. Et on vient bien à 90. Hop. C'est important, c'est de venir bien se fléchir. Puis pareil, vous pouvez rester une dizaine de secondes. Je le fais pas parce que ça va être trop long après la vidéo. Ça va être un peu pénible. Voilà. Et après, vous enchaînez, vous faites un petit circuit. Alors ça, c'est vraiment spécifique travail des jambes.